Cette nouvelle saison, qui marquera le dernier tour de piste de Jodie Whittaker sous les traits du Docteur, sera diffusée à la fin du mois d'octobre sur la BBC. La BBC dévoile un teaser et une affiche détonnante pour la nouvelle saison de Doctor Who. Intitulée Flux et constituée de 8 épisodes, cette 13e saison dirigée par Chris Chibnall sera la dernière de Jodie Whittaker après 3 ans passés à incarner le Docteur. Diffusée à partir du 31 octobre, elle sera suivie de 3 épisodes spéciaux avec l'actrice, dont les premiers seront diffusés au jour de LAN et au printemps 2022. Son teaser cryptique est accompagné d'une série de tweets tout aussi énigmatiques du Docteur, publiés sur le compte Twitter officiel de la série. Le flux en question pourrait bien amener le chaos dans la série, en faisant revenir d'anciens ennemis redoutables du Docteur comme les Sontariens ou les Anges Pleureurs, selon le site Collider. Quant à la saison 14, elle verra un vétéran de la série faire son retour puisque Russell T. Davis, qui avait initié le revival de la série culte de la BBC en 2005 avec Christopher Eccleston sous les traits du Docteur, reprendra les manettes du show après Chris Chibnall à partir de 2023. Quant au prochain interprète qui prendra le relais de Whittaker, première actrice à avoir incarné une version féminine du Docteur, les paris sont ouverts. La saison 12 de Doctor Who inédite en France sera diffusée à partir du 17 octobre sur la chaîne Syfy.